Alors, on va faire un ravioli art aujourd'hui. Je rappelle que la longueur de l'image doit être, si possible, de 7 cm. La longueur de l'image, on peut aller jusqu'à 10 cm, c'est-à-dire 2 fois 5, 10 cm. Pour la longueur de l'image sur l'écran, et donc ça c'est impératif quand on est situé à environ de 30 cm à 50 cm, voire on peut aller jusqu'à 2 mètres avec cette taille d'image de 7 cm, ce qui permet de voir ce que nous avons filmé. Vous découvrirez ce que j'avais comme longueur d'image sur l'écran latéral du caméscope que j'ai utilisé pour ça. Et c'est parce que j'ai vu apparaître ce que nous sommes en train de voir, mais parce que ça avait la taille de 7 cm que j'ai pu découvrir ces représentations figuratives anthropomorphes. On est en fait dans une ère de la miniature sur, qui concerne cette planète, et la miniature elle peut exister aussi en vidéo avec des écrans de 7 cm de longueur, pas l'écran, les images, et les écrans ils peuvent être beaucoup plus grands, mais avec une image de 7 cm de long, on voit ce qu'on ne voit pas sinon. Alors voilà, j'ai renversé tout ce qu'il y avait dans la passoire sur cette assiette et nous lançons la giration pour découvrir ce que représentent ces raviolis sur cette assiette. Alors il s'agit du premier des ravioli art que je fais avec une assiette blanche entièrement. J'ai acheté ce matin des assiettes blanches car je me suis dit que ça pourrait être en fait un peu plus intéressant qu'avec les assiettes que j'ai utilisées jusqu'alors, qui comportaient des décorations sur le bord, sur les bords. Et ce qui distrayait, ça distrayait du contenu sculpté de ces raviolis. Alors, je vais vous montrer la face B de cette face A. Et pour ça, je vais utiliser une autre assiette. Alors, je vais la poser dessus, comme ça, pour prendre en sandwich les raviolis. Je fais tourner l'assiette et voilà, j'ai la face B, j'ai l'autre côté car tout ce qui était en bas est devenu en haut et tout ce qui était en haut est dessous maintenant. Tout ce qu'on avait vu, eh bien c'est dessous. On a la face B ici. Alors, j'ai lancé la giration pour découvrir les représentations figuratives anthropomorphes ou animales ou les représentations que nous offre
ce ravioli art, c'est un bas-relief, mais ça pourrait être une sorte de tableau aussi, mais avec une peinture qui serait plutôt épaisse. Alors l'épaisseur, c'est bien ce qui constitue le relief. On va regarder de côté, on va voir, on va découvrir qu'il y a un tout petit peu de relief. C'est un tout petit peu, donc un bas-relief, mais c'est plus du côté du tableau que d'habitude. Peut-être parce que cela est dû à la disposition des éléments de ce ravioli dans l'assiette plate. Et on peut suivre les variations et les transformations que le mouvement qui consiste à faire tourner l'assiette crée ou font apparaître. Alors, à partir de cette face B, je vais faire une nouvelle face A. Pour cela, je vais arrêter la caméra, donc il va y avoir une saute et on va se retrouver avec une nouvelle face A à partir en utilisant les mêmes éléments. Voici la nouvelle face A de ce ravioli art et je lance la giration pour découvrir cette face A, son originalité. Voilà, je vais vous faire une face B à partir de cette face A. Alors cette fois-ci, je vais arrêter la caméra. Je ferai la face B et je reprendrai à partir du moment où j'aurai à vous montrer la face B. Donc il va y avoir une saute en raison de l'arrêt caméra. Mais en réalité, on va passer tout de suite à la face B à partir de cette saute. Voici la face B. À partir de cette face B, nous allons faire une nouvelle face A. Que nous ferons à partir d'ici, par là, par ici, voilà.
Voici la toute nouvelle face A et je lance la giration ou le tournage au plein sens de ce mot. Alors là, on a un bas-relief plus important que celui que je vous ai montré. Là, il y a probablement un bas-relief ici. On va voir. Alors, bon, effectivement, il y a une épaisseur, ça dépasse de l'assiette. Il y a bas-relief ou en tout cas une sorte de médaillon. Je vais vous montrer la face B de ce bas-relief car il est bas, hein, ce sont pas les Alpes, hein, ou c'est pas l'Himalaya là. Alors, on a calculé que si la giration a lieu en une minute de temps, cela correspond à la vitesse de 25 images par seconde à 1500 variantes complémentaires de l'image de départ. Je vais vous faire avec cette nouvelle phase B. Une nouvelle face A. Voici la nouvelle face A. Depuis le moment où ça a sauté et ça s'est transformé en la première image de cette série qui va faire grosso modo 1500 images complémentaires, variantes et complémentaires de l'image de départ. Ça, c'est donc la face A. Il y a donc une phase B, nous le savons maintenant. Je vais l'obtenir à partir de quand nous souhaitons, à partir de là. Hein. Voilà, on va faire cette phase B à partir de cette face A. Voici ce qu'était la face B, sur quoi reposait la face A que nous avons filmée juste avant la saute. La saute nous a fait passer à la face B que nous sommes en train de découvrir, d'observer en fait. Et moi, je vois une analogie possible avec les roses des sables.
On a l'impression d'une très grande rose des sables. Et en ça, nous avons une sorte de principe cubiste en raison de ce rapprochement possible avec la géologie et la rose des sables, mais aussi avec d'autres formes de pierre comme la pyrite. Mais là, les cristaux, c'est-à-dire les raviolis, seraient quand même beaucoup trop grands. Bon, alors, je vais vous faire une nouvelle face A avec cette face B. On va faire une nouvelle face A là. Partir de celui-ci ou de celui-ci. Moi, je vois un très très beau portrait là sur la gauche qui mérite qu'on s'y attarde en gros plan. Voilà, on est revenu sur ce détail après un tour complet. Alors voici la nouvelle face A que j'ai obtenue à partir de la face B que nous avions découverte. Avec aussi un détail sur lequel nous nous sommes attardés. Et on observe que cette face A est réellement très contrastée, qu'il y a du volume et que c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment un bas-relief. Je vous le montre de nouveau, ce bas-relief, vous voyez, là c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de relief que la première fois que je vous ai montré ça. Ça signifie que j'ai travaillé au moment où il y a la saute, le moment où il y a l'arrêt caméra. Ensuite, je travaille la face B pour obtenir une face A, mais avec un relief important. Et c'est la raison pour laquelle on a autant de contrastes et on peut dire autant de facettes différentes et géographiquement, enfin de façon géométrique plutôt, géométriquement, de façon très exceptionnel, enfin de se placer tous ces éléments qui ont comme dénominateur commun l'aspect carré du ravioli. Alors là, on aura obtenu un tour complet avec ce ravioli art et je vais vous montrer la face B, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessous. Ce qui est en train de toucher l'assiette, mais le plat de l'assiette au-dessous, c'est la face B. Je vais vous la montrer avec mon stratagème que je fais une fois que j'ai arrêté la caméra. Je prends l'assiette, je la vide, je la place dessus, je la fais tourner et j'obtiens notre face B. Et on va passer, nous, directement à la phase B, au résultat. Alors voilà ce qu'il y avait comme phase B
à ce que nous avons pu découvrir dans la séquence précédant la saute. Il y a eu une saute et on est passé directement à la phase B, car j'ai, au moment où on a arrêté la caméra, j'ai pris l'assiette blanche que vous savez, je l'ai placée dessus, j'ai fait tourner et j'ai obtenu la phase B que nous voyons. Mais je ne vous montre pas à chaque fois les deux assiettes blanches, ça n'a pas d'intérêt. Allez voir, prendre en sandwich ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ces formes-là. Tandis que si on met l'assiette dessus, eh bien, ça cache les formes. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et surtout, il y a des dangers de casser l'assiette que de le faire. Tandis que je filme. Si j'arrête la caméra et que je prends le temps avec la main qui tenait la caméra de réaliser la phase B, eh bien, on y gagne grâce à ce moment qui, de pause et qui est l'arrêt de la caméra, ce qui permet donc de réaliser la phase B facilement. Alors là, je vais vous faire avec cette face B, je vais vous faire une nouvelle face A et je vais arrêter la caméra pour ça. Et nous allons l'arrêter après ce portrait tout à fait des plus admirables. Ici. Ça signifie que je vais détruire cette œuvre, oui. Et ça, c'est vraiment triste, mais on n'a pas le choix là. Voici la nouvelle face A. Elle est très sculptée. Hein. Il y a de très nombreuses facettes. Et il y a représentation figurative anthropomorphe de très grande qualité. Surtout de très grande originalité. Alors une fois qu'on aura terminé la giration, le tour complet, nous allons pouvoir faire une face B à partir de cette face A, toujours en utilisant le même système de l'assiette à l'envers, dessus, sur cette face A. Qui va disparaître et qui va devenir le dessous, qui va nous révéler la face B, qui est en ce moment au-dessous de ce qu'on voit là, oui, et qui supporte ce qu'on voit. Alors voici la face B. Là, on a vraiment une œuvre cubiste. On a vraiment une œuvre cubiste. C'est indéniable. Et c'est grâce au carré des raviolis. On a une sorte de cubisme transcendantal. C'est une façon réellement admirable de représenté avec de nombreuses facettes et il y a figuration, c'est-à-dire représentation figurative anthropomorphe dénotant une très grande quantité d'invention possible
c'est le résultat d'une sorte d'invention permanente. Comme là vraiment c'est un portrait cubiste, mais au sens vraiment d'un cubisme sublimé. Je vais vous faire, à partir de cette face B, je vais vous refaire une face A. Et ça signifie que on va devoir détruire cette face B pour réaliser la nouvelle face A. Donc c'est à chaque fois un moment pénible, mais il y a le projet de représenter comme là ce qu'on est en train de voir, c'est prodigieux. Oui. Bon, alors je vais faire cette face B, A à partir de cette face B. Alors voici la nouvelle face A que j'ai obtenue en utilisant les éléments de la face B précédant la saute. Et nous avons vraiment quelque chose de très très original et surtout d'admirable. Je vais vous faire la face B de cette face A. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment une des plus belles que j'ai jamais vues. Waouh! Bon, je vais vous faire la face B de cette face A. Alors voici la face B. Donc c'était sur ce qu'on voit là que reposait la face A que nous avons filmée avant la saute, nous ayant amené à cette face B. Alors, vous le savez, la phase B contient une face A. Je peux renouveler l'exploit d'une face A grâce à cette face B. Alors pour ça, je vais arrêter la caméra, il va y avoir une saute et on va passer de cette face B à une nouvelle face A. Alors voici la nouvelle face A. Je n'en suis pas peu fier, non. Je n'en suis pas peu fier. Elle est admirable. Dès la première image. Et je peux vous assurer que j'ai photographié
l'image de départ, celle que j'avais obtenue pour cette face A, sans rechercher un départ autre que celui que j'ai obtenu en réalisant cette face A. Parce qu'on aurait pu partir d'ici, par exemple, si j'avais pris le temps de rechercher un point de départ. On aurait pu partir d'ici, mais je suis parti en réalité de ce vers quoi nous arrivons après avoir accompli un tour complet. Je vais vous montrer la face B de cette face A. Il va y avoir un arrêt sur image, une saute, et on va passer à la face B, c'est-à-dire celle qui est en train de supporter cette face A et qui est au-dessous. Et elle est comme collée au support. Voici la face B. De la face A que nous avons explorée et découverte, regardez, elle représentait aussi cette face B qui était en train de supporter la face A. Elle représentait ces choses magnifiques que nous venons et que nous continuons à voir depuis le début de cette nouvelle séquence concernant cette face B. On voit, il y a représentation figurative anthropomorphe d'une très très grande originalité. Et c'est la face B, ce qui signifie que je vais avoir une face A à rechercher avec l'ensemble des éléments de cette face B pour avancer dans nos recherches et découvertes de formes plus ou moins extraordinaires à partir de ce ravioli art. Voici la nouvelle face A, obtenue avec les éléments de la face B qu'on avait pu découvrir, qu'on a découvert même. Je vais vous faire une face B de ce qu'on est en train de voir, qui est une face A. Voici la face B.
une nouvelle face A et nous lançons la giration. Je vais vous faire la face B de cette face A. Il va y avoir une saute et on va passer directement à la face B. Voici la face B. Là, on a fait un tour complet. Je vais vous faire une face A avec ces éléments de cette face B. Voici la nouvelle face A. Quand je fais une nouvelle face A, je fais en même temps, je fais la face B. Mais je ne la vois pas, la face B. La seule chose que je vois, c'est la face A. Au moment où je fais la face A, après avoir arrêté la face B. Et la face A est véritablement à chaque fois un chef-d'œuvre, comme ce portrait magnifique qu'on voit, réellement admirable. Du coup, la face B, du coup, on va faire la face B, on est content à l'idée de la découvrir. Ici, deux pâtes tartes, c'est des formes que nous avons obtenu en raison de ce que nous avons procédé à plusieurs faces A et suivi de face B. Et plus on en fait, plus les raviolis se déchirent et deviennent des petits morceaux. Et c'est ça que j'ai appelé les pâtes tartes. Donc là, on a la face B. Et on a eu les deux premiers pâtes tartes qui se sont accrochés à l'assiette dont je n'avais plus besoin. Alors ici, nous avons les représentations figuratives anthropomorphes de la face B, de la face A que nous avons vue avant la saute, avant de passer au petit pas tarte. Je vais arrêter la caméra
Il va y avoir une saute et on va passer de nouveau à une face A. Car ce qu'on est en train de photographier là, c'est la face A. Pardon, ce qu'on est en train de filmer. Enfin, ce qu'on est en train de vidéographier. Hein. Voilà, on va dire encore plus précis, encore plus juste. Voici la nouvelle face A. Qui est à cheval sur la face B. On va dire elle est supportée par la face B. Cette face A étant la future face B, une fois que nous aurons fait passer la face B à la place de la face A. Bon. Ici, un patard, encore un. Ouais. Alors, voici la face B. De la face A qu'on a vue juste avant. Je vais vous faire une nouvelle face A à partir de cette face B. Voici la nouvelle face A. J'ai démarré la giration à l'envers. Bon, je vais faire une face B avec cette face A.
Voici la face B. Je vais vous faire une nouvelle face A à partir de cette face B. Voici la nouvelle face A. Il y a une tête là au premier plan, ici, qui est vraiment très très originale. On pourrait dire, on va s'attarder à elle, on va la suivre dans sa métamorphose et dans ses variantes, dans ce qu'elle représente pour tous les points qui l'approche. On comprend que le portrait en question qui nous a attiré, eh bien, il était d'une complexité infinie. Voilà, il réapparaît ici, cette tête, elle réapparaît ici, pas avant, non. Enfin, quand on était là, ici. On ne peut pas imaginer que ça sera cette tête-là qu'on a vue, qui va venir. Elle vient là, hein, elle apparaît par ici. Alors c'était un détail de quelque chose qui est beaucoup plus sculpté que seulement à l'endroit en question. Nous avons une nouvelle face A. Par conséquent, ça signifie que ça repose sur une face B dont on aimerait bien savoir à quoi ça ressemble. Eh bien, on va le savoir dès la saute là, dès l'arrêt caméra. Un patate là. Et voici la face B. Alors on va lancer la giration. Et oui, notre portrait là, il reposait sur ces portraits de la face B. Je vais devoir changer de batterie, mais normalement on a assez pour faire accomplir le tour complet là de la face B et pour reprendre sur avec une nouvelle batterie sur une nouvelle face A. Que je dois faire encore, que je dois sculpter, hein,
C'est-à-dire, à chaque fois que j'arrête la caméra, je sculpte, je dispose autrement les éléments, je fais tout le travail de mise en représentation. Voilà, donc on va avoir une face B, pardon, une face A à partir de cette face B. Voici la nouvelle face A qui est admirable. Je n'ai jamais vu une aussi heureuse. On sent le bonheur. On lit bonheur et joie. Réellement, cette notion de bonheur existe. On en a la preuve là. Ce patard. Je lance l'animation. Voilà, on a fait un tour complet. Et ce qui est incroyable, c'est que la première image que nous avions, c'était celle-ci. Enfin, c'était comme ça. Et on l'a découvert dès le départ. Ensuite, c'est devenu ça. Et ça, on a, si on revient au début de l'image de la séquence. Bon, je vais faire une phase B à partir de cette face A. Deux patates là. Voici la face B. Je vais avoir à faire une nouvelle face A à partir de cette face B. Je vais m'y consacrer dès qu'il y aura arrêt sur image. Dès qu'il y a arrêt sur image, dès qu'il y a la saute, eh bien c'est le moment que je consacre à réaliser cette face B. Cette face A, pardon, avec cette face B. Voici cette face A. Voici la face B de la face précédente avant la saute.
La sorte, ça correspond donc au temps que j'ai mis pour faire la nouvelle face B ou la nouvelle face A. Dès qu'on passe à... Dès qu'il y a la saute, on passe à un espace-temps à l'échelle universelle qui est pas n'importe quoi, non. Alors, je vais vous faire une nouvelle face A à partir de cette face B. Je vais la faire ici. Voici la nouvelle face A. Moi, j'y vois un clin d'œil un peu cubiste, mais pas seulement du cubisme. J'ai pensé aussi un peu à l'Art Nouveau, mais c'était tout à l'heure, sur un moment donné. On va dire que c'est vraiment de l'art contemporain, ça. C'est l'art du début du 21e siècle. On est en 2023 et c'est depuis une année environ que je m'intéresse, mais j'avais prévu ça avant, hein. J'ai dû faire des sauces art avant et des tagliatelles art, mais dès que j'ai commencé à faire les tagliatelles art, j'ai pensé qu'il va falloir que j'explore la question avec les tortellini. Hein. Bon, je vais vous faire une face B à partir de cette face A. Voici la face B. Alors, il y a une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est ce portrait, ces portraits-là. Je vais regarder ça de près pour voir un petit peu ce qui représente ces deux portraits quand ils sont pas à l'emplacement où on les voit comme des portraits. Qu'est-ce qu'ils donnent comme représentation? Qu'est-ce qu'ils forment? Oui. Comme autre manière, voilà, les voilà qui réapparaissent, voilà, ils sont là, on aura vu donc un peu en détail ce qui concernait cet espace, hein. Je vais faire une face B à partir de cette face A. Je crois que c'est une face A, à moins que ce soit une face B. Là, je sais plus. Hein. Bon, je vais voir ça. Je vais voir que c'est une face B. Donc, c'est à partir de cette face B, je vais faire une face A. Alors, voici la face A. Permettez-moi de la dédier à un immense peintre et sculpteur. Je veux parler de Dubuffet, Jean Dubuffet, dont j'ai toujours admiré le travail et qui m'a jamais déçu, jamais.
dans ses recherches plastiques. Y compris dans toutes les années où il a exploré les sols, il appelait ça des sols en peinture, oui. Il a attiré mon attention vers les sols que j'ai commencé à photographier et ensuite à filmer. Je vais vous faire une face B à partir de cette face A, qui est très originale. On retrouve avec plaisir ce portrait qui passe et qui change d'endroit pour représenter la figure que nous y voyons. Alors une face B à partir de cette face A. Et voici cette face B. Et moi, je la trouve magnifique, même si je lance pas la giration, je la trouve extraordinaire. Ça pourrait suffire comme ça, mais nous lançons l'animation et nous voyons un portrait des plus complexes là, avec un œil au-dessus de l'ongle de mon doigt ici, un autre œil au-dessus de l'ongle de mon doigt, le nez, la bouche au-dessus de l'ongle de mon doigt. On a un portrait à droite de ma main là. On en a un à gauche de ma main. On voit, c'est vraiment important comme sculpture, hein, ça prend de la place et puis tout de suite, ça devient ce personnage-là qui est à gauche de mon ombre, de ma main. On voit que c'était ce personnage-là, ici. On était à droite de ma main, on avait cette grande tête-là. Et celle-ci, cette tête à gauche de mon ombre-là, est géniale. Alors, on lance l'animation. On obtient au moins 360 bonus en raison des 360 degrés qu'un cercle représente. Quand on a un rapporteur, par exemple, on utilise, on voit bien que il fait 180 degrés. Et puis, donc, nous avons compris qu'à 25 images par seconde, sur une minute de temps, ça correspondait à 1500 variantes complémentaires de cette image de départ. Qu'on peut remarquer, là, on est revenu à l'image de départ. Je vais vous refaire une face A à partir de ces faces B. Voici la nouvelle face A. Je vais vous faire une face B à partir de cette face A. On a un patard important. Il y en a deux, trois là, petits patards. Et là, on en a un important. Voici la face B annoncée.
Alors on pourrait arrêter ici la série. Car c'est l'heure de manger. On a un très très beau portrait. Enfin, je vais en faire encore un dernier. Je vais faire une face A à partir de cette face B, enfin de ces faces B, hein. Ouais. Et plutôt génial chacune. Ouais. Voici la nouvelle face A. Je vous propose de découvrir la face B. Alors pour ça, il va y avoir une saute et on va passer d'ici à la face B. Voici la face B. Me suis dit, je vais faire encore une face A à partir de celle-là très étrange là de face B que nous avions. Alors voilà ce que ça a donné que mon nouveau mélange. Alors il faut prendre cette notion de mélange comme un synonyme de sculpter. Quand on sculpte, parfois on est amené à mélanger. En réalité, je dispose autrement les éléments. Alors disposer, c'est aussi un synonyme de sculpter. Je vais vous faire une face B à partir de cette face A. On peut voir. C'est un peu comme une tagliatelle, un morceau de tagliatelle, on dirait. Alors, voici la face B.
Voilà, on va arrêter là la série. Je pense qu'on a été vraiment très généreux. Je pense que j'ai été très très généreux, oui, vraiment. Je pense que un artiste, ça doit être capable de très grande générosité. Les tagliatelles sont prêtes là. Pardon, les tortellini sont prêts. Ça, c'est l'assiette qui permettait de faire la face B. Ou bien c'est la face A. Il y a des restes. Et à mon avis, avec la vision du paradis, ça doit être quelque chose de très 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 beau à découvrir. Ça doit être vraiment magnifique. À plus.